Ça que fait nous toujours gagner rater gaz dans pays là. N'importe gouvernement qui monte là, depuis que c'est comme ça, n'a pas appliqué politique dans la question gaz là, et ben pas caché dit ça. N'a toujours gagné problème gaz. N'a toujours acheté gaz à terre. N'a toujours gagné raté. Bon font histoire avec nous tout. Depuis les accords nous avec Petrocaribe, nous t'ai quand gagné petit gaz nous lit sans problème, sans l'argent chaque mois. Comment ça fait ça? Parce que Venezuela te qu'on a fourni nous gaz de temps en temps. You know gros avantage nous te gagné avec Petrocaribe. C'est juste prendre gaz, vendre gaz là, voyons petit parti dans cobla by Venezuela et puis kembe reste là pour nous développer pays. Mais malheureusement, nous choisi faire affaire pas nous à cobla. Nous pas fait aucun développement à cobla juste pour kounya nous toujours demander côté cob Petrocaribe. En 2008, yo créé une instance qui est le BMPAT pour être capable de gérer gaz Venezuela banou. Wall BMPAT c'était pour recevoir gaz là et puis transférer le by compagnie pétrolière en Haïti. Malchance pour nous, en 2017, directeur cap géré Petrocaribe pour Amérique centrale là à Caraïbes là déclaré que Petrocaribe pas existé encore à cause sanctions États-Unis mettez sous Venezuela. Pourquoi c'est seulement Cuba qui toujours bénéficie de avantage Petrocaribe? Ça autant de ya, depuis les ça, dernier bateau gaz nous recevons dans le Venezuela, c'était en 2018. Pas un programme Petrocaribe qui a vidé gaz sous nous encore. Eh bien, c'est depuis les ça, nous commençons à vivre, causer raté gaz en Haïti. Ça autant de ya, BMPAD continue à gérer causer gaz là. Tout compagnie qui gagne pompe gaz en Haïti, rive joindre BMPAD pour faire demande là. Et puis BMPAD lui-même dégage le coup mettre Jean-Jacques, mettez col dehors pour chercher côté gaz là pour l'acheter, mettez le sous bateau et puis voyez le pas bon ici. Et automatiquement gaz là arrivé en Haïti, nous stocker dans réservoir nous gagne pour ça qui c'est Vare avec Tor. Et bien frère, c'est depuis là nous pas gain problème gaz parce que Haïti pas ca stocker une bonne quantité gaz. Ou imaginez ou, nous ca recevoir environ 80 000 barils et chaque jour pays en boulet entre 20 à 25 000 barils qui donc dans espace un mois 80 000 barils ça a été en boulet longtemps et ça pi gaz là faut gaz dans pour plan yo fini pour ca payer BMPAD et puis faire commande là. Imaginez ou, commande là prend au moins 15 jours avant l'autre bateau en ville. Qui était différent les programmes Petrocaribe était effectif parce que commande yo était conrivé bien rapide, bien facile. Mais depuis les programmes Petrocaribe en campéan, il vient difficile pour jeune gaz rapide et en quantité. Mais à gouvernement premier ministre Ariel Henry là, problème ça était supposé résoudre. Au point ça fait tout ça parce que l'état haïtien pas subventionné gaz là encore. C'est ça qui fait ouais nèg yo monter gaz là dans niveau ça, une façon pour l'état gain comme plus capable acheter gaz là plus facile et plus vite. Et puis pourtant, ça pas comme même gon bon mois là, problème gaz là vle gain temps recommencer. Ou est 2023 qui pourra entrer là. C'est pas dans bouche nous va le connait. On suit vite. Pour me finir, meilleure façon pour ta commencer résoudre problème ça, c'est fait ça ouais premier ministre Ariel Henry fait là qui s'est monté gaz là pour pas subventionner encore et puis créer l'autre côté pour stocker gaz là parce que j'aime te dire non c'est seulement deux côtés stocker gaz en Haïti Vare et puis Tor et yo pas ka kembe en pile gaz pour un mois. Solution c'est chercher l'autre côté dans pays hein, pour nous capable stocker gaz là comme ça avant tout gaz a fini n'a pas gain temps en mesi pour nous tendre commande là avant même rater gaz l'arrivée.